Yeah. It's your boy Rye. Uh-huh. Ready boy? Come on. Déjà la fin de l'album. Rajoute la caisse claire s'il te plaît. Oh, hi family, hi tata, hello mes frères, mes sistas, hi papa. C'est déjà la fin de l'album, mais pas de la bataille. Donc rachetons le temps qu'il reste, car y'a pas le time. Fini l'impudicité, crucifions la chair. Et dans les chutes, cessons de justifier l'affaire. Laisse tomber les excuses et une vraie repentance, sans quoi tu risquerais de livrer même ta descendance. Car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si tu lui tends le bras, il prend le corps. Ses plans sont évidents, que par toi beaucoup déshonorent le roi. Tu deviens la cause et la victime, et tu seras pris au piège. Un sentiment d'injustice te fera fuir le ciel. Tu t'en iras le cœur écorché. En vérité j'en dis, tu t'es fait égorger. Ne cours pas le risque de faire le taf avec un zèle amer. Sinon tu feras le même taf avec un zèle à terre. Et parce que t'as pas pris le temps de veiller sur ton cœur, t'étais un zélateur, maintenant tu fais l'acteur. La fin d'une chose est mieux que son commencement. Aujourd'hui on fait trop semblant, regarde commencement. Mais j'avoue que c'est pas évident. Drix elle a déclaré, la folie ou la foi, y'a que le L qui les a séparés. Elle comme Lion de Juda ou comme Lord. Elle comme Light ou elle comme Love. Seigneur, fais-nous vivre une véritable repentance. Aide-nous à croître à travers l'obéissance. Non, ne cherche plus à impressionner. Lui seul est impressionnant, il nous a missionnés pour faire en sorte que le monde crie son nom. Le seul nom qui a été donné, car quiconque invoquera son nom sera sauvé. Et si ma lumière brille dans les ténèbres, c'est seulement par la grâce de celui que je célèbre. Tout disciple accompli sera le reflet de son maître, car dans le miroir de la Bible, il voit le reflet de son être. Parce que parler de la Bible ne sauve pas, mais pratiquer la Bible dont tu parles te sauvera. Parce que l'apostasie est là, l'amour de Dieu s'est refroidi. On s'était dit les meilleurs vœux, mais ça sera deux fois pire. Pour celles et ceux qui n'auront pas le Christ, ou qui ne vivront pas l'enlèvement. Et si mon entourage m'éloigne de toi à cause du vice, je t'en supplie du milieu d'eux, je t'en prie enlève-moi. Je ne cherche pas la fame, mais je te cherche toi, le seul vrai Dieu qui a voulu de moi. Même quand je faisais n'importe quoi, tu es le roi de ma vie. Mais trop souvent c'est encore moi qui règne au fond de moi. Alors délivre-moi de moi père, délivre-moi de moi père. Yeah. On est tous concernés, et si ta péché est bro, n'aie pas honte de te prosterner. Car comme Bartimée t'écrit, il les reconnaîtra. Et peu importe le poids de ton mal, Jésus te tend les bras. Ne perds pas espoir, il est le roi des rois. Et j'ai une bonne nouvelle, Christ reviendra. Yeah. Christ reviendra. Yeah. Alors mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe ce que tu traverses en ce moment, ne lâche pas prise. Tiens ferme et accroche-toi à Jésus. Accroche-toi, car encore un peu de temps, et nous le verrons paraître sur des nuées. Et tous ceux que le monde a humiliés, tous ceux dont le monde s'est moqué, parce qu'ils avaient refusé de marcher par la vue, mais avaient préféré marcher par la foi, ceux-là seront ravis en un instant, en un clin d'œil. Et nous serons auprès du Seigneur. Alors le monde dira de ceux-là qui étaient considérés comme les rebuts de l'humanité qu'ils étaient en réalité des génies, car ils avaient bien discerné. Alors tiens ferme, Jésus revient bientôt. Alors joins-toi à moi, et je me joins à l'Église épouse qui, unie avec l'Esprit, disent une seule et même parole. L'Esprit et l'Épouse disent: viens. L'Esprit et l'Épouse ne désirent pas plus le monde ni les choses du monde, car la plus grande récompense d'un adorateur, c'est le retour de son Seigneur, et c'est le cri de mon cœur. Alors toi aussi, tu as entendu ces titres, tu as entendu cet album, et tu ne peux pas arrêter de l'écouter sans Christ. Tu es venu sans le Christ, tu ne peux pas partir sans lui. Et tu as écouté aussi l'album, toi. Et tu connaissais Jésus, mais tu t'es éloigné. Fais juste cette prière avec moi. Jésus veut se réconcilier avec toi. Dis avec moi: Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, mon propriétaire et comme mon Sauveur.
celui qui est le garant de ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus le Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Alors mon frère, ma sœur, si tu as fait cette prière, va sur www.b-rightofficiel.com et réponds au formulaire. Vous avez reçu le Seigneur en écoutant cet album. Vous vous êtes réconcilié. Car on veut prendre soin de toi. C'est ce qu'on m'a appris dans mon église locale. Et c'est ce que j'aimerais faire avec toi. Oh, je ne prétends pas que je serai ton conducteur, non. Mais je crois qu'on peut apprendre ensemble, toi et moi, main dans la main, à suivre celui qui est le véritable conducteur, le Saint-Esprit, à travers les vases qui s'est choisi. Et dont toi et moi, demain, pourquoi pas, on pourrait en faire partie. Alléluia. Wow. C'est déjà la fin de l'album. J'ai tout donné. Le vase est de nouveau vide. C'est peut-être le dernier album. Le dernier ou pas. Une chose est certaine, c'est que je vous aime. Mais Christ vous aime plus que moi. Yeah. C'était tout pour moi, merci. Maintenant à vous de jouer. De répondre à l'appel. 633, le Brave Album. Que son règne vienne.